Coucou. Hey, c'est Mel, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le tout nouveau girls group coréen de la SM Entertainment, j'ai nommé Aespa. Alors, il y a eu beaucoup d'éversations sur le net par rapport à ce groupe. Et je vais pas vous mentir, j'avais vraiment hâte de découvrir leur tout premier MV. J'ai vu qu'il y avait déjà plus de 50 millions de vues. Je me dis waouh, pour un jeune groupe cookie. J'ai pas su m'empêcher de voir leur vidéo teaser et également leur photoshoot et tout. Et je me dis waouh, groupe rookie, déjà gros budget. Une histoire, une thématique assez intéressante, monde Avatar, j'adore déjà ce film. Personnages virtuels, peut-être que ces personnages virtuels c'est des autres membres qui vont rejoindre le groupe, parce qu'on dirait que dans une image teaser on voyait dans un petit miroir une cinquième membre qui se rajouterait. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a des membres coréennes, chinoises et japonaises, un bon mélange. Donc ouais, c'est vraiment un groupe à suivre sûrement en de près et j'ai vraiment hâte enfin de découvrir leur morceau et leur MV, parce que franchement il est sorti il y a déjà quelques temps, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir tout simplement. Et c'est parti. Oh oh, déjà l'aspect coloré. Oh oh, ouh, ça m'envoyait du lourd. J'aime déjà la sonorité. Ya yeah. Wow, le visuel de malade. Elle est trop calme. Elle a un truc, elle a quelque chose cette jeune fille. Wow. Je sais pas, il est un peu bizarre hein. Yeah, il y a du budget hein. J'adore. C'est un peu badass on dirait. Normalement j'aime tout hein. Franchement. Wow, le décor c'est super beau hein, ça fait vraiment penser au film Avatar. Il y a du budget, il y a du budget. Vous avez vite à reprendre tête hein. Oh, c'est quoi ce serpent, il signifie quoi? Waouh. Waouh, il y a du niveau, il y a du high level là, mon groupe. Mais ils ont tous quelque chose, hein, chacune. Hein. Le regard, ah, ils sont trop belles. J'adore ce pas. Vous allez vite le refaire en tête. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça j'avais vu les photos teaser, j'avais kiffé. Oh, waouh, waouh, j'en ai des frissons. Ce make-up est super joli. Oh, on voit leur personnage actuel. Oh. On sent qu'elle s'appelle Karina avec ses cheveux foncés, si je ne me trompe pas. C'est bien qu'on ne voit pas tous les personnages actuels. Hein. Oh, belle. Oh. Il y a vraiment, on dirait, ce côté très lumineux, féerique, et puis ce côté très sombre. Hein. Comme si tout mourait en fait, comme s'il y avait une entité. Oh, ça me fait penser à Spider-Man, là, le truc noir gluant là.
cas. Oh, leur logo, il tape quand même, il a la classe, hein. Alors, vers la fin, on voit une autre mystérieuse jeune femme avec un papillon qui vient. Est-ce que ce serait une membre qui se rajouterait tout simplement, comme on voyait cette membre dans cette petite photo, dans cette petite télé? Mystère et boule de gomme. Mais en tout cas, franchement, je ne sais pas comment j'ai fait pour être aussi patiente pour visionner cette MJ, mais l'MJ esthétiquement est vraiment bien faite, bien ficelée. Même les images photosynthèse m'ont pas dérangé du tout. J'aime vraiment tout cet aspect coloré. Pour ceux qui me connaissent déjà de mon ancienne chaîne, vous savez que j'adore tout ce qui est badass coloré, l'eau sur le sol, les fumigènes, enfin vous voyez le truc quoi. Mais ouais, les quatre membres ont vraiment un visuel de malade. Je pense que c'est Karina, la jeune fille avec ses longs cheveux bleutés comme ça, franchement. Waouh, c'est une des membres qui m'a beaucoup le plus impressionnée. Et l'autre membre avec ses cheveux blonds et vers la fin bleu. Il y a une membre qui s'appelle Winter, Gisèle, Karina et l'autre je ne sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment quatre jeunes femmes qui ont vraiment... commencer avec un début mais très fort. On voit que SM a envoyé du lourd. J'aime l'histoire qu'il y a derrière cette MJ. Vous voyez vraiment cet aspect très féerique, comme elle disait, le monde Avatar, etc. Mais vous avez vraiment ce côté d'un coup qui vient mystérieux, assez sombre, ce personnage tout liquide, et vers la fin, une personne mystérieuse. Est-ce que c'est déjà une des membres qu'on connaît actuellement ou une autre? J'ai pas été du tout me renseigner vraiment sur le net, parce que je voulais vraiment me faire la totale découverte et surprise lors de mon visionnage. Mais en tout cas, j'ai aimé... que ce soit visuellement, leur tenue, leur make-up et leur chanson. Franchement, je suis en surkiff et vous avez vraiment très très vite le refrain en tête. Franchement, ça danse super bien et ça chante très très bien, surtout les high notes qui étaient bien posées comme il fallait. Donc franchement, un groupe vraiment à suivre pour ma part. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, même si cette MV est déjà sortie il y a quelques temps, qu'est-ce que vous avez pensé du MV, du visuel des jeunes filles et également le beau MV. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Et s'il vous plaît, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, sayonara.